Oui. Bon, ici, on est avec Anne-Catherine qui va nous faire la démonstration pour nettoyer un plateau de chirurgie mineure. Il y a un médecin qui a fait une petite chirurgie, puis on doit nettoyer le plateau. Pour commencer, Anne-Catherine doit avoir les cheveux attachés. Elle doit enlever ses bijoux. Se laver les mains. Alors, Anne-Catherine va nous faire la démonstration. On a tout lavé entre les doigts. Les pouces comme ça. Il faut frotter les ongles aussi. Comme ça. Allez, entre et rincer. De la même manière. Parfait. Ensuite, Anne-Catherine doit mettre des gants non stériles. Il n'y a pas vraiment de méthode? Non, pas pour ça. Elle doit commencer par trier ou sélectionner les objets piquants comme les aiguilles souillées avec une pince. Alors, elle va prendre la pince et elle va trier ce qu'il y a dans le plateau. Les objets piquants. Elle doit disposer adéquatement les aiguilles souillées dans le contenant rigide jaune étiqueté biorisque. Les objets piquants tranchants dans le contenant rigide jaune. Voilà. Les aiguilles, même si sont encapuchonnées, il faut les jeter quand même. OK, c'est une aiguille encapuchonnée qu'on jette quand même. D'accord. Parfait. Elle doit disposer aussi du matériel jetable souillé dans le double sac biorisque. OK. Fait que ce qui est souillé dans le double sac jaune biorisque. Parfait. Très bien. Ensuite, elle doit se débarrasser du papier non contaminé dans la poubelle ordinaire. Bon, le matériel à stériliser maintenant. Elle doit disposer adéquatement des instruments coupants, tranchants et du matériel réutilisable dans le bac à désinfection prévu à cet effet. Dans le bac à désinfection, on a ajouté un liquide pour nettoyer les instruments avant d'aller à l'autoclave. La pince est en plastique. On est mieux de la jeter dans la poubelle? OK. On vérifie dans le plateau souillé et s'il n'y a plus rien, on dispose dans la poubelle biorisque. Ensuite, on enlève ses gants de façon appropriée. Oui, la méthode. Très bien, on jette les gants et on se relave les mains. Parfait. Merci, Anne-Catherine.